Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Clairefond pour un nouvel épisode de Orcs Must Die 3 en compagnie d'Andreas. Nous allons faire la tour du mage tout de suite. Bonsoir Andreas. Bonsoir. Cette fois-ci, nous sommes partis pour une mission très très dure. Waouh. Oh, j'aime pas quand tu dis très très dur. Il y a tant d'histoires. Oh, si seulement c'était. Pourquoi on est là? On est pas des dur, apprentis. Mais un on peu gère plus juste conscient. Les attaques de petits orques. Pas cette fois, Egan. Ici, vous avez un problème un peu plus important. Mais vous aurez les sorts de machines de guerre de Maître Cygnus pour vous aider. Maître okay. Cygnus, on y il va. A rôle. Dans que je suis, Maître Cygnus. Je te laisse mettre les bandes d'archer parce que moi je les ai pas améliorés. J'ai pas l'amélioration salve. Ah, Agathe, problème. Contre... j'ai commencé à poser des pièges en intérieur, du coup j'ai peut-être pas le budget nécessaire. Écoute, ce que je te propose c'est que je défends à côté. Je te laisse gérer un autre côté, d'accord? J'ai fermé en intérieur, si c'est jamais. Jamais, si jamais. En fait, j'ai fermé, il n'y a qu'un seul escalier disponible, et j'ai commencé à piéger cet escalier. T'as plus de thunes? J'ai encore un peu. Je pose un bord d'archer, mais alors un seul. Hein. Parce que je m'aperçois qu'il y en a un qui peut pas profiter de son tir de ouf. Parce que, bah, après, je peux en poser un si tu veux, et comme ça tu mets... ouais, mais c'est des flèches de feu que t'as. Non, moi normal. Normal, pas. Alors ils sont améliorés, ils sont pas améliorés. Ils sont normal, mais pas à double salve. Faut que je tue des gens pour avoir la double salve. Bon bah laisse tomber, je vais poser. Après il vaut. Si tu peux me poser un goudron 2 là, du coup, parce que je me suis dû me faire rembourser un goudron 2 pour faire ça. Vous avez raté la marche. You can try again. Okay. Ok, écoute, on va mettre des souffleuses de l'autre côté. Il fallait que j'aille de l'autre côté pour faire ça. Maudit ça, ce jeu! Allez, de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je vais enlever un... ah, mais attends, les bandes d'archers, en fait... eh, mais en fait, je suis couillon. Hein. De quoi? Bah, les bandes d'archers, faut les mettre ici, en fait. J'aurais aimé qu'ils nous apprennent à les faire à l'école des mages de guerre. Voilà. Au lieu d'aller les mettre bêtement sur la terrasse où je veux les mettre depuis tout à l'heure. Je les mets depuis tout à l'heure d'ailleurs. Tu les mets où? Ok, faut que je me fasse rembourser l'autre. En fait, quand tu montes un petit peu là dans les étages, au bout d'un moment t'as accès à des terrasses. Ouais. Alors t'as accès, ouais, des deux côtés. T'as accès à des terrasses. Et du coup, t'as vision sur les ennemis avant qu'ils arrivent par ici. Tu vois, je veux dire. Est-ce que tu vois, je veux dire. Genre là où je suis. Genre ah sûrement non. Là où t'es. Là ici. Ouais, là ici. On peut pas en avoir trop. Voilà. Du coup, je vais poser un banc de chaque côté. Ah là, c'est bon. Ouais. C'est bon pour moi. Je suis prêt. Okay. On verra si ça fait le taf. Écoute, j'ai assez d'argent pour en mettre un de ce côté, même s'il est pas amélioré, mais ça permet de mieux défendre parce que c'est celui où il y a le moins de poudreuse. Et c'est un non amélioré. Sinon, tes pièges de neige marchent pas bien, marchent plutôt bien. Ouais, si mais j'en ai bourré un d'un côté, donc. D'accord. Donc on va... attends, ah non, mais non, j'ai mis... attends, peut-être que mais... je vais mettre plus à gauche pour voir s'ils arrosaient déjà. Alors déjà, tu peux vendre le mien, parce que je l'ai mis du mauvais côté. T'es vendu. Nous t'attendons. YouTube t'attend encore, hein. Comme d'habitude. Hein. Ah il bah... je vais gagner, mais... et t'as épuisé toute ta mana en faisant des petits bonds dans l'air. Je t'ai pas vu. Bah c'est ça en fait, malheureusement. Je l'ai pas vu, mais je l'ai ressenti. Les tamas à fondre. Vu... je fais ouais, quelqu'un qui fait des petits sauts de caribou. Voilà, c'est bon pour toi. YouTube veut la guerre. YouTube aura la guerre. Nous sommes ton tube et ils sont Twitch. Ils doivent mourir. C'est la guerre. C'est parti. Moi je touche rien. Déjà c'est une bonne nouvelle. Sorcière, une assez grande armée de choses que je n'ai jamais vues auparavant fonce sur nous. Ce
sont des monstres de feu, Kelsey. Bon, est-ce que vous servez à quelque chose, archer? Ah, les archers, ça m'a l'air assez claqué en fait de la hauteur où ils sont. En fait, ouais, c'est nul. Ouais, c'est nul un peu. Hein. Pour commencer, ouais, il vaut mieux les mettre, ici. En fait, leur, bah, t'écoutes, hop, on va redémarrer tout de suite parce que bon, vu qu'ils sont mal. Je sais où il faut les mettre. Je sais où on peut les mettre. Juste devant les portes. Juste devant le point de spawn des ennemis. Bon, vas-y, où est-ce qu'on les met? J'ai peut-être une idée où on peut les mettre, tu vois, juste à côté de la porte. Il y a des petits trucs, des petits piliers. Si on les met de pivot, genre juste ici là. Je sais pas si ça passe. Ah, ça a pas l'air d'être aménagé pour. Vas-y, go, je vais aller voir. Ok, on y va. Je cours, je cours. Juste un peu plus gros, hein. Qu'est-ce qu'on risque? Us. Je suis là. Ah non, il n'y a pas de pilier. Hein. Bah, je crois que le seul endroit où on peut les mettre, c'est ici ou au fond. Là-bas. Je t'en mets un ici. Hop. Écoute, ici, je vais mettre toutes les poudreuses. Alors, vu qu'il y en a qu'un et que tu l'as mis bien plein centre. Ouais, ouais, je les ai mis bien centrés. Parce que sinon, le banc de gauche tirait pas assez, je trouve. Ou alors, c'est parce que je les ai trop collés contre le rebord et qu'il fallait peut-être pas trop les coller contre le rebord. Mais bon. C'est dommage de faire de jolies fortifications indéfendables. C'est joli, mais c'est indéfendable. Ah, est-ce que c'est un poil plus à droite? Ah, c'était un poil plus à droite. Excellent. Je vais quand même condamner du coup un accès. Hop. Bon là, moi j'ai mis mes 10 000 thunes en 5 poudreuses. Tout en poudreuse. Frère, c'est l'armée de la, c'est l'armée du salut de la poudreuse. Ok, bah moi c'est okay. Bon. Maintenant ou jamais. Bah, c'est plus bon. Que toi. Ça se passe de l'autre côté, je crois. Tac, 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 tac. Sorcière, une assez grande armée de choses que je n'ai jamais vues auparavant fonce sur nous. Ce sont des monstres de feu, Kelsey, et ils sont totalement immunisés aux dégâts de feu. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. Il y a l'équivalent des kobolds qui courent super vite, c'est chiant. Hein. Ah, je suis mort. Les ennemis attaquent de l'une de nos portes. Il y a encore une terrasse ici. Ça sert à rien autant de terrasse ici. Ils sont mes petits orques. Oh, ils sont en train de monter. Ça grimpe. Oh, normalement, je devrais pouvoir les gérer. Quoi? Mais il m'a même pas frappé. Ça m'a stun. Oh là, c'est dégueulasse. Dégueulasse, monsieur l'agent. Nos ennemis attaquent. J'y crois pas, ça a marché. On est à fond. Ok, alors moi j'ai déjà plus de porte, donc quel régal. Quel gros régal, hein.
mortel. Je remettrais bien un expulseur de gens vers l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas fonctionner. Sauf quand je le mets là, il veut pas quoi. Ouais, en vrai, je me fais chier pour rien. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille défendre mes escaliers. Je pense combattant là. Bug impression combattant. C'est ça le truc. Quoique, vas-y, full cloutage. Full cloutageon. Cloutage axe, le sauvage. Ça va le faire. On est bon. Plus d'ennemis arrivent. Ça arrive de ton côté. Il passe à travers. Ils ont percé par une autre porte. Via une porte. Comment ça par une autre porte? Comment ça? Ils arrivent. On a gagné. Nous mais. C'est tout? Un pour l'équipe de l'ordre. T'es en train de te faire casser la gueule là, non? N'étais-tu point en train de te faire casser la tronche? Sale banc. Allô? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Ouais, je vous j'entends. C'est monsieur. J'ai utilisé l'arme ultime. Pourquoi? Ah. Mais je vais poser des archers. Alors, est-ce que je peux poser un banc d'archers en intérieur ou même ça, j'ai pas le droit? Grande Qu'est-ce question. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise l'arme ultime, le chevalier? Bah, fais ce que tu veux, mon gars. J'ai envie de te dire. Fais comme tu le censures. Bon, je laisse le chevalier prendre tout seul le monde. Oh, le mec qui m'a insulté m'a dit j'imagine que c'est un piège de sol. Mytho? J'ai juste envie de lui répondre mytho. Est-ce que j'ai pas envie de mettre un archer ou deux dans mon histoire, moi? Ouais, il faudrait que je continue à rester efficace, tant qu'à faire. Allez, on va essayer de rester efficace. C'est parti, je lance. On essaye, hein. T'es en pause syndicale là? Ouais, en pause chiotte. Ah. Bon, moi j'ai mis un. Ils auraient jamais dû installer des latrines dans le château. Mauvaise idée.
sont pas faciles hein, les vagues. Allez, on va voir. Encore pour l'instant, pas d'explosifs, pas de grande armure. Pour l'instant, on est, pour l'instant, c'est sympa. Hein. Ça reste courtois pour l'instant. Court beaucoup trop vite ces cobalt. Je suis sûr qu'il y en a un qui est passé. Il y en a un qui est passé. Oh, c'est trop. Je le vois en train de galoper. Il y en a un qui est passé. J'ai une mort. Non, il y en a pas qui est passé. Il y en a aucun qui est passé. Putain, j'étais en train d'en voir un galoper sur la carte. Vous savez, j'avais le mort en moi. Là, il y en a un qui était passé. Mais ils viennent pas de chez moi. Il y en a aucun qui vient de chez moi parce qu'il y a mon chevalier qui les tank tous. Il est en train de tous les tuer, mon chevalier, frère. Frère, regarde, mon chevalier, il est toujours de mon côté. C'est trop fort, le chevalier, mec. Ça vaut 4000 de thunes. Je crois que mon chevalier est tombé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est le taux anormal de type qui commence à arriver? Non, non, regarde, il y a toujours un mec qui est bloqué. Il reste que les gros. Mais je vais mettre deux chevaliers de l'autre côté, il y aura même plus besoin de défendre. Il tank trop aussi. Hein. Sale quart d'heure. Hein. Espérons que ça marche. Moi, je vais continuer à en mettre des caisses. Hein. Oh, le chevalier, il est toujours en vie, frère. Oh, j'ai rien dit. En même temps, à ce prix-là, on peut se l'offrir. J'en ai mis deux. C'est fini. Mec, ils sont en mode vous ne passerez pas, tu sais. Genre, tel. N'hésite pas à en mettre un de l'autre côté. Enfin, quoi que. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Ouais, il faudrait parce qu'on sait pas quand est-ce que le gros boss. Enfin, par quel côté va arriver le boss. Ouais, je pense par le plus gros. Mais regarde, genre là, je vais laisser mon côté tranquillou. Ah, t'y crois à ce point-là? Ah oui, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure. Et tu crois qu'ils vont tanker à deux, là, toute ta vague? Oui, ils font des dégâts d'éclair. Ah oui, ils foudroient, c'est vrai. Regarde comment il est déco. Ouais, vu que tu les as mis sur le truc de glace, ça marche bien. Bien vu, Jack. Non, je les ai mis juste ici, frère. Et ils découpent les trolls, mais comme jamais. Ouais, bah c'est les tueurs de boss. Hein. Il y a juste les quelques petits qui passent. Ah bah ouais, les tueurs cobalt là. Cobalt de feu là. C'est tout? Non, mais ils perdent même. Là, tu sais qu'ils sont même pas. Tu vois, la vague qui tank sans que je fais rien. Saloperie de cobalt. Mais arrêtez de les... Tu sais ce qu'ils font là les ennemis? Ils en ont tellement marre des chevaliers qu'ils les ignorent. C'est parce qu'à un moment donné ils sont en surcharge d'aggro. Il y a un chevalier qui est venu les stopper. Est-ce que j'abuse? Ouais. Let's go pour l'abus. Ah, ok, t'es là. Regardez ça. Hey, regarde, les chevaliers ils tiennent toujours, frère. Regarde. Où ils sont sur la carte. Ils combattent pour Jérusalem, mes chevaliers. T'inquiète, je t'en mets de l'autre côté. Après, il y aura plus personne qui passera de ton côté. Tu vas voir. Hein. C'est spectaculaire, t'as mis des trucs pour lancer des ennemis? Pour lancer des ennemis? Non, j'ai pas de plateforme de projection parce que quand je les ai posés la première fois, j'ai trouvé que ça marchait pas. Je te les poserai. Non, de toute façon, moi je vais continuer à renforcer dans les SK comme un sourd. Non, je pourrais pas te les poser.
Ah, quoique. Bon, je laisse le tuer. C'est fait. Oh, le sale bail. Les deux sont en vie. Alors, juste regarde si je peux. Ah, je pourrais en poser qu'une. Prêt à combattre. Prêt à combattre. Regarde le chevalier qui s'est posé. Alors, en fait, il faut juste que tu les mettes comme ça. Regarde. Genre, tu vois là où il passe ? Faut t'as juste à les mettre comme ça. On va perdre la victoire de temps, mec. La victoire de temps ! Voilà. Ok, tu vas mieux que de l'escalier. Ouais. Non, en fait, tu vois la range de propulsion à peu près, faut à peu près la voir. Et en fait, il faut juste que tu les mettes, c'est genre quand il y a les trucs rétro-éclairés qui. Et tu vas voir, ça va tanker, hein. Il va y avoir beaucoup moins de monde qui va passer. Faut juste que tu surveilles les petits cobalt qui passent. Ah, ceux-là, ils sont d'une chienlit, hein. Maximal, hein. Essaye d'aider l'autre parce que l'autre il va avoir du mal. Ce qui est très fort, c'est qu'il y en a qui montent. Ah, il est là le boss. Ouais, le boss arrive. Est-ce que c'est un kobold géant fou? Il est de mon côté, il est de ton côté. Mais il va vite. Ah, c'est problématique. Il sautera aussi. S'il est de mon côté, il faut que tu ailles mettre des défenses maintenant de mon côté là. Genre maintenant. Non, non, pas ici. Parce que justement, il va pas prendre cet escalier, il va péter la barricade. Justement. Faut que t'ailles le mettre sur le terrain devant là avec tes autres chevaliers tout ça. Il est passé. Il est passé. Il passe, il court. Ah, c'est un boss qui court. Mais c'est une blague. C'est un géant cobalt. Ah, c'est un cobalt géant. Ok, je l'ai, il a pas beaucoup de PV. Je le tiens. Viens m'aider. J'arrive. Ah oui, mais je l'ai solo kill. Voilà. Juste le kill. Ok, c'était juste un mec qui courait vite quoi. Ouais, c'était un boss qui court. Ok. Ok, ça passe. Ils arrivent pas à passer de mon côté. Ah, ici aussi, ça commence à patiner, hein. T'as vu, ça patine de ouf, hein. C'est grave. Ah, hein. C'est pas ça qui les fait patiner là. Même les cobalt ici, ils arrivent plus à passer. C'est les rayons au plafond qui les empêchent de passer. Ah non, mais moi je te parle de. T'as ouais, vu combien. Moi je te parlais des escaliers à la base. Ah ouais, non, mais par contre, ça retarde tellement. Moi, il y a personne qui est passé de mon côté. Les chevaliers, ils ont tout. Les chevaliers, les poudreuses et tout, ils ont tout tenu. Oh, il était bugué. 40 sur 40, on a tout win. Bah, GG. Ouais. En espérant qu'on ait la victoire de temps. Sinon, on est bon pour la refaire. On l'a. C'est beau, on a la victoire de temps. J'ai réussi à te faire bouger ton boule assez vite. C'est incroyable, hein. Ouais. Ouais, moi j'ai roulé du boule. Incroyable. Oh. Ah, du coup, j'ai encore posé aucun piège à la neige ou rien. Je vais rien pouvoir améliorer. Incroyable. Bah moi, je pourrais améliorer mon. Ah non, je peux pas. Oh, je te jure, ils ont éliminé sur cette mission 143 seuls ennemis. Les trois chevaliers. Ouais. Bon, bah GG. Bon, et mes pieds. On est plus sur cette map là, je vais repasser en feu partout sinon je vais oublier. Attends, elle est où ma souffleuse? Ma souffleuse. Feu. Elle a validé les 7000 points de dégâts. Aussi j'ai mis directement 5 souffleuses. Enfin non, oui non, 10. J'en ai mis 5 de chaque côté. Ça, c'est les souffleuses. Je vais faire saigner. Plus drôle. Bon, moi je vais y aller. Il est 20. Les ennemis, pendant un instant, ils subissent des dégâts de feu. Ouais, ça marche. Bah, des bisous, YouTube. Des bisous, hein. À la prochaine, hein. Tout ça. C'était. Tabernacle, hein. C'était la tour du mage. Des bisous. À la prochaine.